La Coupe du Monde de football au Qatar démarrera le 21 novembre 2022. L'occasion pour le pari sportif de voir son activité exploser à nouveau et de voir de nombreuses personnes s'y intéresser ou revenir. En tout cas, il y aura beaucoup, beaucoup de monde qui vont tenter de tirer leur épingle du jeu de cette compétition pour pouvoir gagner des pronostics, gagner des paris sportifs. Et dans cette vidéo, le but, c'est de vous expliquer comment gagner ces pronostics pendant la Coupe du Monde. Alors le titre et le sujet de la vidéo est volontairement ambitieux, mais vous allez le voir, j'ai réalisé un tableau complet des résultats de la Coupe du Monde qu'on a eu en 2018, et l'objectif sera ensemble et maintenant de les analyser pour en tirer des conclusions et comprendre quels sont les facteurs clés qui permettent de déterminer ou non une tendance de pronostic gagnant ou perdant. Et vous allez le voir, il y a des choses extrêmement intéressantes, puisqu'on parle bien là d'une compétition, une Coupe du Monde, format un mois, qui demande beaucoup d'énergie au même moment. C'est pas du tout la même chose que de miser sur un championnat, par exemple, de football qui dure pendant une année complète. L'effort est global, là c'est quelque chose de brutal qui demande beaucoup de stratégie, de tactique adaptée, et forcément pour les paris sportifs, ce sont des choses à prendre en compte. Bienvenue à tous, si vous arrivez sur cette chaîne, moi c'est Julien, je fais du pronostic et du pari sportif toutes les semaines sur YouTube, donc vous pouvez vous abonner évidemment si vous êtes intéressé par ce type de contenu, et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker, je vous en remercie. Alors dans cette vidéo, on va beaucoup parler de théorie par rapport au cas pratique de la Coupe du Monde 2018, mais si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes intéressé purement par le pari sportif, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram, je vous mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. Telegram, c'est une application de messagerie dans laquelle j'envoie au quotidien des paris sportifs. Il y a plus de 45 000 personnes qui suivent ces pronos justement tous les jours. Donc si toi aussi tu as envie d'en faire partie, n'hésite pas, un seul clic suffit et c'est totalement gratuit. Voici le tableau que j'ai réalisé par rapport à l'intégralité des matchs de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2018 qui se déroulait donc en Russie. J'ai dans un premier temps les classements finaux de tous les groupes, donc des 8 groupes qui ont participé à cette compétition, dans l'ordre à chaque fois de 1 à 4. Ensuite, on a les scores des 48 matchs ici qui sont tous inscrits. Et par la suite, il y a des catégories d'analyse. Analyse des résultats par rapport aux résultats logiques et aux surprises, par rapport au nombre de buts sur la base du plus de 2,5, donc au moins 3 buts dans une rencontre. Sur la base également du but pour les deux équipes. Ces deux types de pronostics sont très populaires chez les parieurs sportifs. Et enfin, on s'intéresse au score exact, à tous les scores qui ont été inscrits au cours de ces 48 matchs. Ça va permettre, vous allez voir, de dégager des tendances très claires. Et à la fin, ça va me donner un certain nombre de conclusions pour vous dire comment il faut procéder pour gagner ses pronostics durant la Coupe du Monde. Déjà, première observation très simple, si l'on regarde les classements finaux des différents groupes, on s'aperçoit qu'il y a une seule réelle surprise. L'élimination de l'Allemagne à la 4e et dernière place de son groupe, composé de la Suède, du Mexique et de la Corée. C'est une surprise énorme et on s'en souvient tous très bien. En dehors de ça, les deux premiers de chaque groupe, donc ceux qui accèdent aux 8e de finale, sont tous, ou dans la majorité des cas, logiques. L'Uruguay, nation forte sud-américaine évidemment, la Russie qui était à domicile, Portugal-Espagne pour le groupe B, pas de discussion possible, France-Danemark pour le groupe C, pareil, pas de discussion possible, Croatie-Argentine, groupe D, même si c'était très tendu, pas de discussion possible, Brésil-Suisse pour le groupe E, logique, le groupe F c'est donc celui de l'Allemagne et c'est le Mexique qui vient prendre leur place qualificative, Belgique-Angleterre, tout à fait logique, et enfin le groupe H était un groupe très homogène où les 4 équipes pouvaient finir à la fois à la dernière place et à la première place, donc je me garderai bien de dire ce qui est logique ou non. En revanche, là où je trouve qu'il y a une nette différence, c'est par rapport au 3e de groupe. On se rend compte finalement que il y a certains outsiders qu'on aurait pu imaginer aller titiller les places qualificatives qui ont complètement raté la compétition et qui sont à la dernière place, comme l'Égypte de Mohamed Salah qui termine derrière l'Arabie Saoudite, le Maroc qui termine derrière l'Iran, le Pérou qui termine derrière l'Australie ou encore la Pologne qui termine bonne dernière du groupe H. Si on résume, la première et la deuxième place qui sont qualificatives pour le reste de la compétition sont occupées par les nations fortes, il y a pas de surprise là-dessus, mis à part l'Allemagne évidemment. Ensuite, la troisième place, là c'est beaucoup plus ouvert. Le petit du groupe peut très bien ne pas finir dernier et se hisser à la troisième place, au contraire de l'outsider qu'on imagine et qu'on se dit peut-être qu'il y a une place qualificative à aller chercher. Et bien dans cette Coupe du Monde, très souvent on a été déçus puisqu'au final ils se sont classés à la dernière place. Passons ensuite à l'analyse des résultats. C'est très important de les découper en journées. Donc la première journée, les premiers matchs, deuxième journée et la troisième et dernière journée. Déjà, et ça c'est une observation très importante, sur 48 matchs, j'en ai répertorié 31 qui sont logiques et 17 qui sont des surprises. Donc 64% de résultats normal, 35% de surprises quand même sur l'ensemble des phases de groupe. Ça veut dire que c'est clairement pas évident, c'est pas facile à pronostiquer qu'en compétition, il y a beaucoup de surprises. Cette statistique-là, elle s'explique notamment par le fait que sur les 17 surprises, il y en a déjà 8 qui ont eu lieu lors de la dernière journée des phases de groupe. Soit parce que les équipes n'étaient pas en forme, soit parce que les équipes sont déjà qualifiées et donc font tourner un petit peu, sont déjà qualifiées
et donc jouer un petit peu plus tranquillement. On a coutume de dire également qu'en première journée, les équipes se mettent tout doucement dans le bain et on peut avoir des surprises. C'est vrai, mais moins vrai que lors de la troisième journée. 62% de résultats logiques en ouverture. Et là où c'est le plus facile de pronostiquer, de gagner ses pronostics, c'est lors de la deuxième journée, où logiquement tous les favoris, voilà, ils sont rentrés dans la compétition. Le deuxième match, c'est le match où tu dois absolument gagner pour t'assurer un troisième match facile. 13 résultats logiques sur 16 matchs, soit 18% seulement de résultats surprenants. Passons maintenant au nombre de buts. Et je vais englober les deux catégories, que ce soit le plus de 2,5 ou le but pour les deux équipes, parce que c'est assez similaire et il n'y a rien de très intéressant à regarder là-dedans. Puisque si on regarde sur l'ensemble des matchs, 50% des matchs ont vu au moins 3 buts et 45% des matchs ont vu but pour les deux équipes. Donc autant vous dire que c'est pas très intéressant d'aller miser sur ce genre de pronostic. Et c'est pareil si on découpe en première, deuxième ou troisième journée, les statistiques sont très équilibrées. Il n'y a rien en paris sportif qui est intéressant à trouver à ce moment-là. C'est clairement pas le format de compétition adapté à ces pronos. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de répartir les scores exacts. On voit que le score qui revient le plus souvent à l'issue de cette phase de groupe, c'est la victoire 1-0. Sur les 48 matchs, 13 fois il y a eu 1-0. Alors ça change pas mal d'un championnat où le score majoritaire est le 1 partout, le partage des points. Pourquoi ? Parce qu'on a des enjeux à plus long terme, on peut facilement se satisfaire d'un match nul, alors que là on a un objectif immédiat qui est la qualification, et on sait très bien que pour se qualifier il faut remporter 3 points. Un petit point ne sert pas à grand chose, si ce n'est lors du troisième match, pour assurer une qualification sans plus. Mais on va chercher à aller gagner les matchs en première et en deuxième journée, et évidemment en troisième journée si on n'est pas encore qualifié. D'ailleurs, par la suite, les scores qui reviennent le plus souvent, c'est le 2-1 11 fois, et 2-0 6 fois, et 3-0 5 fois. Donc dites-vous qu'un 3-0 revient plus souvent qu'un 1 partout, 4 fois seulement. Alors que, comme je vous l'ai dit, dans un championnat, c'est le score qui revient le plus souvent. La différence est énorme, fondamentale, il faut bien la comprendre pour ne pas miser comme si vous misiez sur vos championnats de foot habituels. Et maintenant, passons à la conclusion de cette analyse, et c'est là où je vais vous dire sur quoi il va falloir miser pour gagner vos pronos lors d'une Coupe du Monde, lors d'une compétition format Coupe du Monde, parce que c'est bien là le plus important. Et regardez bien, sur les 13 1-0 qu'on a vu dans la compétition, 11 fois c'était en faveur d'un favori et d'un résultat logique. Même chose sur le 2-1 qu'on a vu 11 fois dans la compétition, 8 fois c'était en faveur d'un résultat logique. Donc ce qu'on peut dire avec déjà beaucoup de certitude, c'est que la majorité des favoris se contentent d'une victoire par un but d'écart. On sait, c'est une compétition courte qui demande beaucoup d'énergie au même moment, on n'est pas là pour envoyer des gros scores. Ça arrive notamment l'Angleterre-Panama 6-1, le Belgique-Tunisie 5-2, mais ce sont des épiphénomènes et ce n'est pas la globalité de la compétition. La globalité, elle est là, des petites victoires 1-0 ou 2-1 par un but d'écart. C'est très important parce que ça va permettre de trouver des opportunités par les sportifs qui sont très très belles, que ce soit en score exact, en victoire, par un nombre de buts précis. Vraiment, il y a des grosses opportunités. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est également que 5 des 6 autres scores, donc les gros scores, les 5-0, les 5-2, les 6-1, les 3-3, les 3-1, 5 d'entre eux sont sur des résultats logiques. Et ça, c'est principalement, comme je l'avais dit avant, déjà des grosses équipes qui affrontent des très très faibles, comme le Panama, qui avait pris 6-1 contre l'Angleterre. Et parfois, on a des matchs du tournoi, les gros chocs, les matchs du tournoi, notamment en deuxième journée, le Portugal-Espagne 3 partout. Il y a des gros chocs de la compétition comme ça qui nous offrent des spectacles hors du commun et des résultats, des scores hors du commun également, mais ce n'est qu'une petite partie du total des résultats. Enfin, ce qui est très intéressant, et ça je vous l'avais déjà dit avant, c'est que c'est la deuxième journée qui est la plus fiable. Vous prenez globalement un résultat par un but d'écart sur un favori en deuxième journée, vous avez le combo gagnant pour gagner à une très forte probabilité votre pronostic. La statistique globale est très intéressante, sur 31 résultats logiques, 19 fois c'était une victoire avec exactement un but d'écart. Dernière chose intéressante à remarquer, lors de la troisième et dernière journée des phases de groupe, il y a eu 0 autre score, donc 0 gros score parmi les 5-0, 5-2, 6-1, 3-3-3-1 que j'ai mis. Ça arrive généralement au début de la compétition, la troisième est beaucoup plus muselée avec soit du repos pour les équipes déjà qualifiées, soit une petite victoire pour les équipes qui en ont besoin, mais on termine rarement avec un festival extraordinaire quoi qu'il arrive. Je pense que dans cette vidéo je vous ai donc donné pas mal de clés pour gagner vos pronostics sur cette Coupe du Monde. Évidemment, une fois que le tirage au sort des matchs de groupe aura été effectué, on pourra analyser encore beaucoup plus en puissance et comptez sur moi pour le faire pour vous et pour vous le partager en vidéo. C'est des vidéos qui vont sortir sur la chaîne, évidemment. Merci à tous d'avoir visionné tout ça. Et nous, on se retrouve très vite, toujours pour du nouveau contenu sur le foot et les pronostics. Passez une belle journée. Ciao.